Bonjour à toutes et à tous, les amis, c'est 25 aujourd'hui, nouvel épisode de Pokémon Ruby sur Nuzlocke et bon du coup j'ai un peu pêché hors caméra entre les deux épisodes parce que bah j'allais pas vous embêter avec ça tout simplement. J'ai eu du coup un Sharpedo de Whelmer entre temps et du coup Hippotrank qui pop et c'est une femelle du coup content que du coup qu'il est pop. Je vais le noter directement sur le document Hippotrank. Et du coup, c'est une femelle. Alors, qui n'a pas encore eu de nom? Gaga? Est-ce que Gaga a eu un Pokémon à son nom? Non. Du coup, bah voilà, ça va être Gaga. Gaga, l'Hippotrank. Hippotrank, le Pokémon dragon. Gaga. Voilà. Bon, du coup, on en a fini avec le Chenal 132. Super bon. C'est cool, ça. Alors, du coup, si je vais là, je vais me faire niquer. Non, je me fais automatiquement niquer. Donc, je suis obligé d'aller de ce côté-là. Morceau étoile, ça, c'est bien, je pourrais le revendre. On va faire le dresseur qui est ici. Mais j'ai l'impression que le chenal 132 il est très grand. Mais du coup qu'il faut le faire en plusieurs fois. Du coup le chenal 133 du coup qui est sa suite à ce que je vois. Et le chenal 134 encore à l'ouest. Ouais, c'est un gros chenal en trois gros morceaux. Donc là du coup on est sur le chenal 133. Vu la gueule des items disponibles, j'ai bien l'impression. Tentacruel. Hop. Fogler. Non, je veux pas y changer. J'ai mis ce clic. Et Cola monte au niveau 58. Au moins, ça a fait XP un petit peu, hein, par-ci par-là. Du coup, on est bien sur un chenal 133 là, j'imagine. 133. Est-ce qu'il y a des Pokémon intéressants ici? Non, bah du coup, c'est exactement les mêmes. On va savoir pourquoi, du coup, c'est toujours les mêmes Pokémon. Hein. Allez, hop, on va s'occuper de la zone. J'ai pas envie de m'embêter. Hein. Tentacool, niveau 23. Tentacool. Et du coup, c'est un mâle. Je vais te renommer Kurokage. Voilà, tu seras Kurokage. Hyperbole. Il veut pas rentrer, hein. 2, 3, voilà. Kurokage. Hop, sur mon document, ça a été fait. Kurokage. Ok. Voilà, on a un nouveau Pokémon. Et bah, du coup, Chenal 134. Oh! Oh! Intéressant ça! Bah, du coup, c'est véritablement notre propre Pokémon de zone. Attendez. Parce que s'il est dispo sur le Chenal 134, on peut techniquement le compter pour le Chenal 134. À la limite. Je vais regarder ça. Rubies changement. J'ouvre le document des modifications. Ctrl F 134. Oui, le class est bien au chenal 134 également. Donc on pourra l'avoir là-bas. Nice. Il a 10% en plus. Ah, par notre malchance, on a eu un peu de chance. Et ça, c'est bien. Allez, mon grand. Voilà. Et là, je crois qu'on peut aller en haut à droite également. Starry. Bah tant mieux, j'ai envie de dire. On va enfin pouvoir avoir un Pokémon différent, low class. Et bah du coup, je sais pas s'il y avait d'autres Pokémon un peu spéciaux comme ça, mais trop tard.
Allez, bon, on va pas le mettre KO, on a reçu intimidation, je pense. Ouais. Mais Léviathan, ça devrait donner. Ouais, pas mal d'XP, 1600. Ah non, j'aurais pensé qu'il y avait un item caché. Mais pas du tout. Hop, on va faire l'adresse ce qui est ici. Et après, on va s'occuper de l'eau classe. Prendre mort sur Love Disc. Un autre Love Disc. Vers Vive Attaque, ça suffira. Et un dernier Love Disc. Again Vive Attaque. Et on a battu. Je sais plus quoi. Et du coup, on va surfer. Hein. Je vais même mettre la vitesse à 4. De toute façon, vu que c'est 10%, ça risque d'être un petit peu long. La 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 la. Oh, je suis très content d'avoir pu voir le classe en Pokémon de zone. Enfin, voir que qu'il est dispo. Ça va changer des Goelis, des Béquipans, des Tentacool, des Charpedo, des Whelmer ou d'Hippotramp récemment. Dommage qu'il n'y a pas plus. Voilà, 10%, ben voilà. Ça a été plus rapide que prévu. Dommage qu'il n'y a pas plus de Pokémon différents disponibles un peu partout. Je vais commencer à noter son nom. Et je sais jamais comment on écrit le classe correctement. Non, pas le classe 0. Du coup, c'est un mâle, celui-ci. Et du coup, je pourrais l'appeler... Après, je vais continuer à lancer des hyperboles à côté. Je pourrais l'appeler Thomas. Non, c'est pas Thomas. C'est Azitech. Oh, il est connecté. Je trouve pas son. C'est pas Thomas. Putain, c'est le doyen. Tu m'étonnes que je le trouve pas. Hop, on continue de lancer des hyperboles. Du coup, c'est Azitech normalement ce nom. Ouais, bah c'est Azitech. Au pire, je mettrai Azitech. Hein. Hop, voilà. L'eau classe, le Pokémon transport. Azitech, du coup. CK. Et voilà, nouveau Pokémon. Non, on peut pas passer par là. Moi, je veux des objets cachés. C'est tout ce qui m'intéresse. Le reste, je m'en fous. Et on est retourné à Poivre et Sel. 8 minutes de vidéo, on a largement le temps de faire les dernières routes. Du coup, bah... Rappel Max est dans Rosa. D'ailleurs, on aurait pu récupérer un Rappel Max, mais bon. Je vous avoue que j'ai un peu la flemme de me retaper à chaque fois ce chenal de bout en bout. Donc, flemme. On va se diriger... la route 121 du coup qui est où se trouve la route 121 juste ici. C'est vrai qu'on peut pas voler, c'est de la merde ce jeu. What? Ah, c'est le chemin 122 que je cherche, moi je suis débile.
Relais à la route 121 au nord et à la route 123 au sud. Du coup, on doit aller au nord. Il n'y a pas de nord. Si, enfin le nord, ouais. Je me suis compris. Bon, et vu que j'ai pas envie de vous faire chier avec d'autres Pokémon Zones, je veux que cette vidéo soit la dernière sur les... Quoi? On peut pas aller là-bas? Ah non, putain, je suis débile. Je cherchais Chenal 122, moi. Ah oui. Bah oui, forcément. Hop, on va se mettre en 4, parce que sinon, ça risque d'être long. Ninjask. Voilà, Chenal 122. On va s'occuper en vite fait de la zone. J'ai pas l'impression que le route 123 à la fête on est plus. Non. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, c'est le mont Memoria. Attends, on est, vu qu'on est passé qu'une seule fois ici, je suis étonné. Du coup, de ce que bah, l'endroit est. Allez hop, Tentacool, c'est une femelle. Tentacool, femelle. Comment tu pourras être rename, toi? Angèle, c'est déjà fait. Pompon, ben voilà, on va t'appeler Pompon. Pompon. Voilà, et du coup, bah si tu un jour cette personne regarde la vidéo, ce qui va m'étonner vraiment fortement, bah ce sera bien. Voilà. Pompon. Prochaine étape, la route 123. Et j'espère que c'est des trucs différents. C'est une route. Oui, let's go. Et des dresseurs, bon, c'est pas les dresseurs, ouais, il y a autant de dresseurs. Ça va en faire du combat. Et il y a beaucoup de Pokémon qu'on n'en a pas. Je crois, hein, Squalinox, Polichon, Zigzaton, Linon, Mystère, Goilis, Ortid, Kecleon, les habitués de l'eau. Et après, c'est Rosa, donc on s'en fout. Ah, nice. On va enfin voir des Pokémon différents et ça va être cool. Allez hop, on va faire du coup plein de combats, on va gagner plein de thunes, et ça, c'est bien. Kadabra. On va laisser Koula en 20 positions, parce que hop, on peut faire des vives attaques, et il a la piste rune. Bon là, on va quand même switcher, parce que bon, le Solarock, ça risque d'être chiant. Même s'il est que niveau 34, un petit surf, comme ça, on n'en parle plus. Ouais, niveau stockage, ça commence à être un petit peu chaud, j'ai l'impression. Super bonbon, ça c'est bien. Il n'y a pas d'item caché ici. Et lui, j'ai pas l'impression qu'il y en a. Du coup, ouais, Pokémon, on s'en fout. Du coup, on a vu qu'il y en a plein. On peut avoir Giga Sensu. Oh, ça m'intéresserait fortement sur Rafflesia. On peut avoir plein de baies. Super repousse. Le super bonbon qui est caché, une hyper potion, calcium, élixir. Ah oui, fortement, oui. Du coup, oui. Forcément, les baies, c'est des plantes bêtes, donc ça me semble logique que c'est ce qu'on les trouve. J'aime aussi Pokémon Smash. Let's go, Giga Sensu! Qui nous donne. Qui est K 60 de puissance, je crois. On va vérifier. 60. Ça sera 4 fois plus fort que Volvi. Donc, pour le moment, on va pas le faire. Hein. On n'en a pas forcément besoin. Mais très très cool ça. Et après, on va faire une dresseuse. Petite Misty Maniac. Est-ce que Enox. Est-ce que Poursuite va suffire? Ça suffit. Bon, au moins, on aura mis 40 Pokémon. Et on perd pas de temps avec le Switch.
Mais rien nuit, on va faire. Je pense, acide, ça ne passera pas. Donc on va faire Volvi. Et on met KO. On va faire tourner un peu les Pokémon, on a beaucoup vu Rat Attack ces temps-ci. Bon, bref, hyper potion, bah tant mieux. Faut toujours parler au caillou, comme ça. Pokémon de zone, un truc sapin. L'euphorie. Je crois pas qu'il était sur la liste des Pokémon dispo. Il doit être ajouté. Si je tape l'euphorie. Effectivement, il y a à 2%. Ah ouais. Là, on a eu un gros Pokémon en termes de luck. En plus, l'euphorie, c'est pas dégueu, ça va. Donc, ouais, en vrai, content. C'est à 2%. C'est une femelle. Donc, comment on pourrait te renommer, toi? Est-ce que Zephyra a déjà été fait? Je crois que oui. J'ai bien l'impression que... Ouais, c'était un chamallow. Sinon, qu'est-ce que je pourrais te donner en surnom? Little, ça a déjà été fait. Michi? J'ai un doute. Est-ce que Michi a été donné? Pas l'impression, hein. Si je fais MH, non. Bah du coup, l'euphorie va être Michi. On va bien regarder l'orthographe parce que c'est chiant, ceux qui changent de pseudo tout le temps. L'euphorie, le Pokémon bonheur. S-C-H-I-A. Voilà. Du coup, on va faire la même chose ici. M-H-I S-C-H-I-E. Par curiosité, on aurait pu avoir quoi d'autre? Je vais voir. Natou. Bon, je vous avoue que bon, entre l'euphorie et Xatou, le choix il est vite fait. L'euphorie c'est largement mieux. Roucoups! Oh, en vrai, j'aurais été content d'avoir un Roucarnage. J'aime beaucoup Roucarnage. Donc en vrai, j'aurais pris. Dodrio, un peu moins chaud. En vrai, un peu moins chaud Dodrio. Même si j'imagine qu'il doit être bon également. Bémépo, ça va être bien. Si on est en galère de PP durant la ligue. Non, là, il n'y a rien. Là, s'il n'y a pas un item caché, je sais pas. Canardichaud, qui est combat vol, donc en vrai, ça aurait pu être sympa. Je crois qu'il est peut-être boosté en plus. Je vais vérifier ça. Canardichaud. Canardichaud et combat vol, oui. Il y a 5% également, mais il n'y a pas de boost, donc je pense pas que ça aurait été très intéressant en vrai. À part pour le double type. Super repousse. Donc je pense qu'on a eu le meilleur Pokémon hein, possible. Donc content en vrai. De l'élixir. L'aérien. Roucoups. Ou comme son vrai nom devrait être, Roucou. Comme Julien Bardakoff a voulu. Mais vu que bah, du coup on ne savait pas, du coup on a mis Roucoups. Oh, Mizzibul Call of Force, ça aurait pu être sympa en Pokémon de zone également, là ce que je vois. Il a Intimidation et Call of Force, donc deux talents très très forts. Oui, à ce que je vois, Canardichaud n'a pas été boost. Ioko, en termes de statistiques. Peut-être qu'en 3G il est déjà assez moyen, donc pas besoin, je sais pas. Stal gamin. Hop, Crone mort. Et Vibranymph, on va switcher, on va envoyer Bubble, on va faire un gros surf sous la pluie. Tourbisable.
On est vraiment très lent, hein, par contre. Je sais pas si on a un talent qui baisse notre vitesse. C'est largement possible en plus. Ah, j'avoue, Nathan, il récupère des objets, on n'a jamais fait gaffe. Super bonbon en plus. Du coup, on a quoi en nature? Nature brave. Nature brave Pokémon. Et vu que j'ai la flemme, je vais juste regarder le tableau. Alors, brave. Ah. Plus 10 en attaque. Plus attaque, moins vitesse. Tu m'étonnes qu'on soit très lent. Bon, on va taper certes beaucoup plus fort. Ce qui ne me gêne pas, mais c'est la vitesse là qui va me gêner un peu. Là, y'a rien. Là, y'a rien. Et on aurait dû rester en haut. Là, y'a rien. On va faire la dresseuse, bien évidemment. On ne refuse pas de l'argent gratuit. Kadabra. Hop, vive attaque. C'est les rocs. On va switcher, on va envoyer Bubble. On va balancer Surf. Force cosmique. Il va être se booster en défense, mais je pense pas que ça suffira. Hein. Enfin, c'est même pas, je pense pas, Surf, Stab, sous la pluie. Et en plus, on est brave, donc. Et je crois qu'on a aussi l'eau mystique. Non? On a quoi en item, déjà? Le sable doux. Non, c'est pour séisme, ça, du coup. Là, il y a un combat duo. On va mettre Bubble Cola, je pense. Parce que me mettre moi sous la pluie, ça serait un peu débile. Et après, il faudra qu'on remonte pour les Pokémon, les zones du dessus. Et les items du dessus, évidemment. Hop, vie attaque et surf. Charmignon. C'est ciao. Cola monte niveau 59. Et Papinox, c'est ciao. Hop, Hyper Ball, ça c'est bien. Là y'a rien, là y'a rien. Mais dans l'autre, on parle quand même. Hein. Ah, j'aimerais bien monter, mais on peut pas. Ici, maison du maître des baies. Là, on va faire du coup l'éleveuse. Non, pas du tout, c'est une aroma. Balignon. Hop, on va spam les vives attaques. Pas de post-sport. C'est bon. Chapignon. Qui est également très faible. D'ailleurs, ça évolue combien de balignons pour que ce soit si faible? On va vérifier. C'est l'instant culture générale. 23. Ah, d'accord. Je pensais qu'il évoluait dans les niveaux 30 et quelques. Mais non, pas du tout. Ortide. En dernier Pokémon. Et on a battu Violette. Et là, niveau baie, on va se faire plaisir. Baie Grenat, avec le fameux bug de la baie Grenat, que j'ai jamais compris comment ça fonctionnait. Parce que j'ai jamais vraiment pris le temps de comprendre, mais je sais que ce truc existe. Et que ça permet de duplier, je crois. Baie Raisin. Hop. Non, je veux pas planter de baie. Je crois que ici ça va être le meilleur spot pour planter des baies vu la tonne d'endroits dispo. Et des baies Koualo. Il y a 4, 8, 12 emplacements. En plus il pleut donc pas besoin d'arroser. Et vu qu'il y a le maître des baies à côté, donc ça fait qu'on peut avoir des baies gratuitement, il me semble. Baie Troncy. Baie Koualo. Ça fait quoi la baie Troncy? Ingrédients pour Pokéblock. Épicé, acide. Et toi, tu fais quoi? Ouais, non, je m'en fous. Annulé. Oui, je veux quitter. Ouais, parce que je m'en fous un petit peu de ce que tu veux, grand-mère. Est-ce qu'on peut passer derrière? Oui. Voilà, super bon. C'était obligé qu'il y avait un objet caché, ça se voyait à 150 km. Là également. Ah non, on peut pas monter. Tristesse. Par contre, ici. Rien. Et là. Rien non plus. Ça m'étonne.
Et là, on est sur la route 118. Est-ce qu'on avait fait la route 118? Oui, on avait eu Caravana, apparemment. Ah, on n'est jamais venu de ce côté-là. Eh bah, va falloir qu'on refasse le chemin, malheureusement. Le chemin, je suis perdu. Ouais, on doit bien revenir à Nenucric. J'ai eu un petit bug pendant un court instant. De mettre paumé, tout simplement. Non, mauvais chemin. En plus. D'ailleurs, petit fun fact, ce PNJ peut totalement passer à travers les murs. Pour ceux qui ne le savaient pas. D'ailleurs, Park Safari qu'on n'a pas fait également. Hein. On s'en occupera dans un futur épisode, je pense. Et on va également mettre un repousse parce que j'ai totalement la flemme. De me prendre des Pokémon sauvages, de toute façon on a fait la zone. Et là il faudra bien qu'on reste en haut. Du coup toi on t'avait fait. Oui. Toi on t'avait pas fait par contre. Ton dresseur il va nous donner plein d'argent en plus. Ma cogneur. Allez hop on balance force. Ratatak, le GOAT, actuellement. Magneton, on va envoyer moi-même, on va faire un petit double pied. Enfin, un simple pied, du coup, ça va suffire. Et Nostanfer... on va envoyer Cassie, hein, je sais pas qui envoyer. Et on va faire Surf. J'enlève juste une notice Discord qui vient de pop. Cassie monte au niveau 51 et on a battu Tom Dresser qui nous donne pas mal d'argent. Non, faut pas qu'on descende ici, faut qu'on reste en haut. C'est absolument pas ce que je voulais faire, j'ai glissé. Je suis sûr que ça m'a niqué un truc. Non, ça va. Calcium. Là, y a rien. J'espère qu'il y avait rien de l'autre côté. J'ai l'impression qu'il y avait rien, donc tant mieux. Et donc, là, on va s'occuper de la prochaine zone. Et oui. Il ne reste plus beaucoup, hein, de toute façon. Route 124. Je vais regarder où se trouve cette route 124. Oh, c'est un autre chenal. Oh, c'est chiant. Nenucric à l'ouest, Algacia à l'est. On va d'abord regarder sur la map. Du coup, Chenal 124. Ah, c'est à l'est de Nenucric, donc ça va. Pourquoi ça met alors Nenucric à l'ouest? Je ne sais pas du tout. Ah, il ne reste plus beaucoup de zones, et vu qu'on arrive bientôt à faire un gros épisode de 30 minutes, je ne vais pas vous embêter plus que ça après. Allez hop, Chenal 124 si on ne se fait pas trop agresser par les Pokémon. Ah et c'est là où il y a le chasseur du trésor, on peut échanger nos teçons contre des pierres évolutives. Ah et c'est là qu'on peut avoir du coup Lucio, Coquipère ou Relicante sous l'océan. On va faire ça. Hein. On va trouver une zone de plongée. On va même plonger un de nos Pokémon. Maintenant que je dis ça, est-ce que j'ai un Pokémon qui a plongé? Est-ce que Nathan... Non, Nathan n'a pas plongé. Retour arrière, on va récupérer plongée. On n'a aucun Pokémon qui connaît l'attaque. Et j'ai pas envie de délaître une CT quelconque à quelqu'un. On voit bien que là, il y a beaucoup de Pokémon haut. Atou, est-ce que t'as plongé toi? Non. Eh ben, tu seras notre esclave. On va retirer Cassie le temps. Hop, on va mettre Amande ici également.
On va te mettre plongée. Parce qu'on a que ça à faire. Hop, sur atout. On dégage siphon. On va en profiter, on va se heal. Et je pense que cet épisode sera plus long, hein, parce que là sinon on va pas s'en sortir. Je veux que vraiment on fasse la ligue le plus vite possible. Pour moi du coup ça sera dans une prochaine session de record, parce que j'ai un peu la flemme de continuer, j'ai d'autres trucs à faire littéralement. Mais parce que là ça fait plus d'une heure que je fais du rubies et j'ai envie de faire d'autres trucs à côté. Merde, j'ai resté une zone de plongée, j'ai arrêté de content. Là, une zone pour plonger. Du coup là va falloir qu'on fait en sorte de ne plus avoir le max repousse que j'ai malencontreusement mis. Du coup on va reliquante à 5%. Bon, j'espère pas trop quand même tomber sur lui. Coquiperle, on l'a déjà. On va avoir Loupio à 30%. Et ben voilà. Loupio va être notre Pokémon de zone. Il est hyper drôle. Loupio. Du coup, c'est un mal. On va retrouver un nom. Mounir. Voilà. Est-ce qu'on a un Pokémon nommé Mounir? Non. Ben voilà. Mounir sera un Loupio. J'espère que si un jour il voit la vidéo, ça lui fera plaisir. Et 2, 3, capturer. Voilà. Loupio, le. Enfin, Mounir le Loupio. Hop, hop. Et il nous reste du coup la route 125 qui doit être un chenal également. Par contre, je vais juste faire une petite couverture parce que sinon mon PC va s'éteindre. C'est bon, on se retrouve. Et vous me croyez si je vous dis que du coup j'ai enlevé le seul Pokémon qui connaissait vol. Ouais, on est débile à ce point-là ici. Du coup, bah, on va retourner au centre Pokémon. Je vais du coup faire une coupure. Ah, un objet. Te sont jaunes. Bah, tant mieux. Bon, donc je vais faire une coupure. Je vais vous retrouver là-bas et sinon, ça va être trop long. Allez, petite ellipse. Hop, du coup, on se retrouve à Algacia. J'en ai profité pour reprendre l'équipement. Là, on va faire du coup la dernière zone que j'ai notée et que j'ai envie de faire, la route 125. Et je ne sais pas si on avait fait les dresseurs ici. J'ai bien l'impression que oui, on va attendre que l'autre arrive. Oui, j'ai bien l'impression qu'on avait fait. Et donc, Pokémon de zone, Tentacool, est-ce que cela nous étonne? Absolument pas. Voilà, et du coup, c'est une femelle et on va t'appeler... je sais pas. Je sais pas, j'en ai marre. Lio? Est-ce qu'on a Pokémon qui s'appelle Lio? Non. Du coup, voilà, on a trouvé. Ça va être Lio. Hop, Scubabol. Du coup, c'est plutôt Lio ou Lioa. En plus, au moment où je recorde ça, fun fact, c'est son anniversaire. On va mettre Lio parce que tout le monde l'appelle Lio et que de base son pseudo c'est Lio. Hop, allez, Lio qui rejoint l'aventure. Je vais vérifier pour les Pokémon Zone ce qui nous reste techniquement. On nous donne un Terral à un moment, mais ça c'est post-game je crois. On nous donne un deuxième starter si on a complété le Dex. Île du Sud c'est pour Latios ou Latias, mais faut l'objet. Peut-être que je me le giverai. L'île Mirage, trop chiant. Oui, flemme. Tombeau antique, c'est pour le tombeau antique, c'est pour Régistil. Sanctuaire, bah ça y a rien. Ruine désert, Régirock. Grotte de Lilo, c'est pour Regice. Caverne Fond-Mer. On pourrait faire la caverne fond-mer, techniquement. Parc Safari, Pilier Céleste, ça est post-game également. Parc Safari, je pense qu'on le fera plus tard. Hein. Ou. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous avais dit que normalement j'allais faire une dernière vidéo avec les zones qui devaient être celle-ci. Mais au vu de ce qu'il reste à faire, je pense qu'on va s'en occuper au prochain. Ce sera un petit épisode par contre. Vu que j'ai envie de faire principalement le parc Safari et la caverne fond-mer. Ensuite, à ce que je vois, bah, le Marina, puisqu'on a vu que c'était post-game, on a fait toutes les routes. Et niveau. On a fait toutes les villes
toutes les villes pardon également. Donc prochaine fois on va faire un court épisode. J'ai également du coup déposé les 2-3 items que j'ai hors caméra. Je pense que je vais pas vous embêter plus. La vidéo est déjà assez longue comme ça. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est Megan5 et je veux dire enjoy.